ce trophée, c'est magique parce qu'on est quand même 12 bateaux, je crois. On n'a jamais eu autant, 4 bateaux de nouvelle génération. Donc, inévitablement, c'est dur. C'est beaucoup plus dur que les autres années. Un coup, on est devant, un coup, on est derrière. Donc, ça se joue à peu d'écart. Et on a la chance aujourd'hui, contrairement à hier, d'avoir du très, très beau temps. Il y a malheureusement peu de vent. Donc, ça handicape un petit peu les bateaux vieille génération qui sont plus lourds, qui ont une conception plus ancienne. Multi 50, c'est des bateaux de 50 pieds, des multicoques, et on a quelques bateaux récents et qui bénéficient des dernières évolutions du multicoque de course au large. Donc on a vraiment des belles machines et qui régatent, qui font un spectacle vraiment sympa en matière de régate. Le départ est très important et après, je pense que toutes les manœuvres et tous les bords sont importants aussi, puisque à moindre petite faute, on perd de la distance par rapport aux petits collègues. Bah hier, ça s'est bien passé. On ne réussissait pas à faire des beaux départs, mais on faisait des bonnes manches. On fait 2, 3, 2. Et puis là, aujourd'hui, on a réussi à faire un beau départ et à rester tout le temps devant les petits camarades. Donc c'est bien. Ça fait rêver, quoi. C'est des bateaux, rien que déjà leur allure porte vers le rêve, donc c'est sans doute ce que tout le monde aimerait bien faire à un moment donné, c'est s'en aller, pouvoir partir. Je me suis souvent posé des questions, comment après avoir passé des semaines comme ça en mer tout seul, comment on peut tout d'un coup revenir à la civilisation. Donc je pense que franchement ils font rêver un tas de gens, et c'est pour ça que les gens viennent au départ des courses et à l'arrivée des courses, parce qu'ils ont porté un petit peu de leurs rêves, ces gens un peu comme moi, qui ne sont pas des aventuriers, mais qui vivent l'aventure derrière leur écran de télé ou sur internet. Je pense qu'ils sont porteurs de rêves.